Dans une multiplication, on peut poser les nombres un peu comme on veut. On n'a pas à respecter de colonne. Par contre, quand on va commencer à effectuer, on commence toujours par la colonne la plus à droite. 8 fois 5, 40. 0, je retiens 4. 6 fois 8, 48. 48 et 4, 52. 2 et je retiens 5. 4 fois 8, 32 et 5, 37. Comme je vais travailler maintenant avec les dizaines, ici de 38, je passe ici cette colonne. 3 fois 5, 15. 5 et je retiens 1. 3 fois 6, 18 et 1, 19. Je retiens 1. 3 fois 4, 12 et 1, 13. Attention, ça me fait 0, 5 et 2, 7, 7 et 9, 16, 6 et je retiens 1, 3 et 3, 6 et 1, 7, 1. fois 7,28, je ne m'occupe pas des virgules. 8 fois 8, 64, 4 et je retiens 6. 8 fois 5, 40, et 6, 46, 6 et je retiens 4. 8 fois 3, 24, et 4, 28. Attention, je passe une colonne. 2 fois 8, 16, 6 et je retiens 1. 2 fois 5, 10 et 1, 11. 1 et je retiens 1. 2 fois 3, 6 et 1, 7. Attention, je repasse une colonne de plus. 7 fois 8, 56, 6 et je retiens 5. 7 fois 5, 35 et 5, 40. 0, je retiens 4, 3 fois 7, 21, et 4, 25. Alors attention, 4, 6 et 6, 12, 2, je retiens 1, 6 et 1, 7 et 1, 8, 8 et 8, 16, 6 et je retiens 1, 1 et 7, 8 et 2, 10, 0, je retiens 1, 5 et 1, 6, 2. Et là, je m'occupe des virgules. Combien de chiffres j'ai après la virgule ici? 2, ici 1, 1, 2, 3 en tout. 1, 2, 3. 87,96 fois 5,008. Je commence toujours par la colonne la plus à droite. 8 fois 6, 48. 8 et je retiens 4. 8 fois 9, 72 et 4, 76. 6 et je retiens 7. 8 fois 7, 56. 56 et 7, 63. 3, je retiens 6. 8 fois 8, 64 et 6, 70. Je passe un rang, mais je ne vais pas écrire une ligne de 0. Donc je repasse un rang pour aller au deuxième 0. Je ne vais pas réécrire une ligne de 0. Je repasse un rang pour aller au 5. 5 fois 6, 30. 0 et je retiens 3. 5 fois 9, 45 et 3, 48. 8 et je retiens 4. 5 fois 7, 35 et 4, 39. 9 et je retiens 3. 5 fois 8, 40 et 3, 43. Il ne me reste plus qu'à additionner. 8, 6, 3, 0, 7 et 8, 15, je retiens 1. 1 et 9, 10, je retiens 1. 4 et 4. Attention, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comme je vous le disais, je ne m'occupe pas de la façon dont je place les nombres, si je respecte des colonnes ou pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, ici, j'ai 2500, ça se termine par 2 zéros, je n'ai pas envie de m'embêter avec ces 2 zéros, je les mets de côté, regardez, et je ne m'en occupe pas. On s'en occupera à la fin en les rajoutant avant de mettre la virgule. 6 fois 5, comme d'habitude, 30, 0, je retiens 3. 6 fois 2, 12, et 3, 15. Je passe une colonne, 7 fois 5, 35, 5 et je retiens 3. 7 fois 2, 14, et 3, 17. Je passe une nouvelle colonne. 2 fois 5, 10. 0, je retiens 1. 2 fois 2, 4, et 1, 5. Cela me donne 0, 5 et 5, 10. 0, je retiens 1, 8 et 1, 9. 6, et là, je m'occupe de mes 0, là. Je rajoute mes 2 0, et maintenant, je m'occupe de la virgule. 1, 2, 1, 2, ça me fait 6900.